Demona. Merci monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Je suis content d'être chez vous. Content de vous voir, recevoir chez nous. Très bien, c'est bien. De bonne arrivée. Il a les émissions. Il attend. Il est à. Comment? Au sac. Ouais. Sac. On pose n'importe où. heures de route, partant de Yaoundé, 18 environ, partant de Douala, avec rien de moins que 3 régions à traverser, notamment celle du littoral, du centre et de l'est. Ce trajet, nous l'avons fait pour se retrouver à l'instant du côté de Ngaoundéré, capitale régionale de la région justement, de la Damawa. Une destination qui sera la nôtre dans ce numéro de Cameroun Vision au détour d'un voyage d'excursion organisé par la SJC, la Synergie de la Jeunesse Camerounaise. Juste le temps pour nous de nous installer chacun dans sa chambre et on vous retrouve juste derrière pour vous dérouler la suite. Voilà, un bon petit bain suivi d'un copieux déjeuner, ça ne fait jamais de mal à personne. Après 18 heures de route, nous sommes donc à Transcam Hotel de Ngaoundéré où nous avons pris nos quartiers. Ngaoundéré qui sera l'unique destination de ce numéro de Cameroun Vision, le sommaire vous l'a indiqué à souhait. Ngaoundéré donc qui fait l'objet d'une excursion organisée par la SJC, la Synergie de la Jeunesse Camerounaise, jeune association qui fait déjà parler d'elle et ce positivement. Allons à l'instant vers son président Samuel Iodi pour en savoir davantage sur les motifs de sa création, son fonctionnement au quotidien, ses missions et le reste. Alors la SJC, c'est la Synergie de la Jeunesse Camerounaise, une association créée en 2013 par une quinzaine de jeunes Camerounais dans le but d'apporter leur contribution au développement du Cameroun. Donc nous agissons principalement sur 3 secteurs d'activité, que sont l'entrepreneuriat social à travers l'accompagnement des jeunes entrepreneurs en termes de formation pour la recherche de financement, montage de business plan, développement de réseau personnel. Le deuxième champ d'activité, c'est l'engagement citoyen, tout ce qui est service à la communauté, responsabilité envers l'État. Et enfin, le retour aux valeurs traditionnelles. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en Ngaoundéré pour l'excursion à Damawa 2015. Chronologiquement, notre association a été créée en septembre 2013. La première activité, celle justement qui a donné naissance à ces excursions éducatives, était une causerie éducative sur le thème tradition et développement qui a eu lieu en décembre 2013. Puis en début d'année 2014, à l'occasion de la fête de la jeunesse, nous avons publié à travers un carnet notre vision de ce que devrait être l'engagement des jeunes au service du développement culturel, institutionnel du Cameroun. Et à la suite de cela, nous avons organisé la première excursion dans la région de l'Ouest l'année dernière, en 2014, avec à peu près une trentaine de participants, ce qui nous a permis de découvrir le riche patrimoine des peuples Bamileke et Bamoun. En fin d'année 2014, nous avons organisé un workshop sur le financement des projets, qui d'ailleurs a été la première activité à laquelle prenaient part
la Banque Camerounaise des PME, en fait, la première activité publique, où en fait ils sont venus expliquer quels étaient leurs produits et comment est-ce qu'ils pouvaient accompagner les jeunes entrepreneurs dans le développement de leurs produits. En tout début d'année 2015, avec le JICAM, nous avons organisé la première édition des journées d'entrepreneuriat jeunesse. C'était des journées axées autour de l'outillage et de la formation des jeunes entrepreneurs. À la suite de cela, nous avons reçu une délégation d'une vingtaine d'étudiants de l'université Harvard et une activité co-organisée avec d'autres organisations de jeunes. Le but, c'était de les mettre en contact avec une vingtaine d'entrepreneurs locaux avec lesquels ils pouvaient tisser des liens et construire un réseau. Et tout récemment, donc, juste avant le venir à Harvard, nous avons lancé la première édition de notre programme de coaching scolaire à travers lequel nous allons accompagner une cinquantaine d'élèves de 3e du lycée d'Akwano. Merci Hiram. Allons à présent découvrir ce à quoi aurait ressemblé notre Dewan à Ngaoundéré, un Dewan très très administratif, mais qui nous permettra aussi de découvrir un sympathique endroit qui vous fera penser, on va dire, à un lieu très très couru du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s'agit du bois Sainte-Anastasie. Là, on ne parlera pas du bois Sainte-Anastasie, il s'agit bel et bien d'un autre bois que vous découvrirez dans ce reportage. C'est en traînant le pas que nous quittons notre hôtel en cet après-midi du jeudi 22 octobre de l'an de grâce 2015. 18 heures de route ça use, mais vraisemblablement pas pour tout le monde. Je sais pas s'il a été long, tellement il a été agréable. Parce qu'un voyage est long quand on s'ennuie. Mais quand vous voyagez avec des gens qui sont sympathiques, avec qui vous êtes en symbiose, avec qui vous vous sentez unis, vous formez une seule entité, le voyage ne peut pas être long. Vous êtes une seule personne, vous êtes content d'être là. Et vous vous laissez porter par l'ambiance. Donc, c'est vrai, le corps prend un petit coup parce que c'est le corps, mais ce n'est pas un voyage long. Défini comme cela, tout le monde dira qu'il n'a justement pas été long. C'est la première journée de notre périple au cœur de l'Afrique. Celle la plus administrative qui, premièrement, nous conduit vers le préfet Lavina. Ici, là, vous êtes donc au centre du Cameroun, au cœur du Cameroun. Et vous avez bien fait de venir. Mais il faudra que mon élite revienne. Hein. Nous sommes à présent à l'hôtel de ville de Ngaoundéré, où nous attend monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Thank you.
on avait un jeune, donc nous avons commencé à C'est durant notre séjour dans ces bureaux que monsieur le délégué du gouvernement nous invitera à une découverte. Le bois de Mardoc, dont voici la genèse. J'ai été inspiré par le bois Saint-Anastasie. D'abord, j'aime l'environnement. Ça, c'est ma passion de toute ma vie. J'aime l'environnement, j'aime les arbres, j'aime la verdure. Donc, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai découvert le bois Saint-Anastasie, je me suis dit, il faudrait faire la même chose. Je n'ai pas pensé à comment je vais avoir l'argent et tout. Non, j'ai dit, il faut trouver un espace. Et Dieu merci, je me suis rendu compte que cet endroit existait. Il nous l'a dit, monsieur le délégué, c'est lors d'un voyage du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, qu'il a vu le bois Saint-Anastasie, qui l'a suffisamment impressionné. Il a fondu comme du beurre au soleil, l'a-t-il dit, lorsqu'il a vu le bois Saint-Anastasie, une réalisation de la communauté urbaine de Yaoundé. Ceci l'a inspiré et de retour en Ngaoundéré, il a tout simplement décidé de construire un établissement à l'équivalent du bois Saint-Anastasie de Yaoundé, mais cette fois-là du côté de la Damawa et précisément de la ville de Ngaoundéré. Cet établissement s'appelle le bois de Mardoc. Allons à sa visite, bien qu'il soit encore en chantier. Je passe là-bas en bas. Ces arbres. Les amis, rapprochez-vous, hein, la légende, on la raconte. Ça se passe ici, les gars. Vous avez raté l'histoire. Elle est très importante. Eh oui, ah oui. Oui. Cadre idyllique en devenir. Visiter le bois de Mardoc revient à faire un parcours sur près d'une vingtaine d'hectares. Le bois de Mardoc de Ngaoundéré, véritable havre de paix, vous offre un jardin public aux allures futuristes. Où champs d'oiseaux et verdures naturelles se mettent ensemble pour vous mener à la décompression. Le naturel ici donc n'est pas un vain mot, mais il est aussi le lieu de revisiter l'histoire de la ville de Ngaoundéré. Le bois de Mardoc, c'est aussi une représentation des sites les plus touristiquement prescriptibles de la région de la Damawa. J'en veux pour preuve cette montagne miniaturisée. Il s'agit là du mont qui caractérise justement la ville de Ngaoundéré avec son petit nombril au-dessus. C'est le mont Ngaoundéré tout simplement. Hein. Et on peut le constater, ici l'espace est nettement plus présent et donc les activités seront nettement plus variées que le bois Saint-Anastasie de Yaoundé. L'originalité de ce parc d'attractions encore en construction. Reste sans doute cette cage à pigeons, inspirée, nous a dit monsieur le délégué, sous un modèle égyptien. Ces boucarous à terme serviront de réfectoire.
La restauration ici devant être l'un des produits phares susceptibles de mener à la promotion des valeurs gastronomiques locales. Au même titre que bien d'autres réalisations qui ici forcent le respect. D'abord, le restaurant, il est fini. Je pense que avant le mois de décembre, il sera occupé. On va le donner à un concessionnaire qui va faire de la bonne cuisine. Les jardins, comme vous l'avez vu, c'est fini. De l'autre côté, tout est fini. Les bancs publics sont là. La salle de fête, bientôt, sera disponible. Cette année, nous allons continuer avec le motel. On va monter les murs. Et les étangs piscicoles, ça va être prêt aussi. Et le zoo, on va continuer à le construire. Notamment le problème de l'autre côté, le complexe sportif. Je suis en négociation avec le ministère de la Jeunesse Sport et le comité olympique. Ils sont aussi très fascinés par le projet. Et je pense qu'ils vont financer ce projet. Alors, c'est intéressant parce que leur disponibilité déjà est un exemple. Ils sont ouverts. Et ça, c'est à admirer. Ils vous disent, vous êtes chez vous. Ils vous disent, vous avez bien fait de venir. Ils vous disent, si vous ne venez pas, comment allons-nous faire pour construire le Cameroun ? Ce n'est peut-être pas les mots qu'ils ont utilisés, mais de tout ce qui a été dit chez M. le préfet, ce que M. le délégué nous a dit, je le résume en ces mots-là. Si vous ne venez pas rencontrer les autres, comment les autres vont vous connaître et comment vous deviendrez une seule et même nation ? Donc, par conséquent, je dis, tout n'est que bénef. Je n'ai pas fait le tour de tout le Cameroun, mais je suis allé à beaucoup d'endroits dans ce pays. Croyez-moi, en termes d'endroits aménagés par la municipalité pour le bien-être de la population, croyez-moi, ici, on est au sommet. On est au sommet du sommet. On a envie de s'installer. Je suis sûr que flatté par l'initiative et je les encourage à aller de l'avant parce que, comme je disais tout à l'heure, la jeunesse, c'est l'avenir du pays. On compte beaucoup sur vous. Et il faudrait que vous entendiez entre vous pour parler le même langage. Le langage justement dans ce périple est celui de la découverte. Elle se poursuit à travers cette réalisation qui sort de l'ordinaire. Après le bois de Murdoch, direction à présent la résidence privée de Aladji Abo. C'est une résidence qui brille par, on va dire, la multitude et des choses à voir de ce côté-là. Trêve de parlotte, allons découvrir en images et juste derrière, on vous en apportera quelques petites précisions. C'est une visite à couper le souffle, c'est waouh. C'est pratiquement 200 hectares, si je ne me trompe pas. Une résidence qui n'a rien à envier aux maisons hollywoodiennes ou bien des films nigériens qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est une mosquée à l'entrée, des beaux carreaux un peu de partout. Une résidence privée luxueuse avec des matériaux importés. On m'a dit que ça vient d'Italie. Tous les matériaux venaient d'Italie et ça se ressentait quand j'étais dans la maison. Donc du début jusqu'à la fin, la visite de la résidence privée d'Aladji Abo, bon, c'est là où tu comprends que monsieur il avait beaucoup de moyens et il avait aussi une vision par rapport à ce qu'il voulait faire de sa maison, ce qu'il voulait laisser à sa postérité. Et il a fait réellement. Bon, il y a aussi le fait d'avoir 4 femmes, 36 enfants, ça m'a aussi bien fait. Qui sait, peut-être d'ici quelques années, moi aussi j'en aurai exactement cela, avec le même niveau de fortune, j'espère. Pouvoir les encadrer. Les causeries éducatives meubleront toutes nos soirées, le séjour durant de retour à l'hôtel.
Avec pour participants les excursionnistes certes, mais aussi les étudiants. C'est 30 minutes maximum. On est un peu promoteur ou défenseur des cultures africaines, des traditions africaines, que je participe à ce voyage. Parce que tous les jours sur France 24, sur iTélé, sur CNN, etc., on parle beaucoup des champions du monde en Afrique. Des millions d'hommes qui vivaient dans ces endroits essentiels. Il s'agit pour la synergie de la jeunesse camerounaise de tendre une perche à ces jeunes pour la recherche des solutions à la réalisation de leurs projets. Mais aussi au travers des thèmes minutieusement choisis pour amener la jeunesse aux valeurs culturelles de chez nous. Pour cela, il aura fallu compter sur la Fondation Bombolet. La Fondation Bombolet a eu une de ses missions, c'est de rappeler aux jeunes qu'ils viennent de quelque part. Et que de ce quelque part d'où ils viennent, il y a un fondement, qui est le fondement de leur vie, qui s'appelle la tradition. Et la tradition repose sur l'initiation. Alors c'est cette tradition qui est le socle à partir duquel on peut bâtir une nation. Il est donc obligatoire pour chaque jeune de revenir à ses sources pour s'approprier sa propre tradition. Et une fois que cela est approprié, d'ailleurs comme dit le président Biya à un moment donné dans son livre, qu'il a écrit en 1985 et autres, le voici communautaire, et c'est quand chacun se sera réapproprié sa propre tradition qu'il pourra donc venir au concert des nations. En commençant par le conseil de tradition de notre propre pays. On n'a plus de 200 tribus dans ce pays pour ne parler que comme les autres. Si on veut être une nation, il faut recomprendre que, qu'importe les habillages, la tradition, elle est une et elle est universelle. Qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, qu'elle soit africaine, comme on aime bien faire la séparation, elle repose sur un seul et même pilier, c'est le règne de la vérité et de la justice. Donc, nous rappelons donc aux jeunes qu'il est important pour eux de revenir à ces fondamentaux qui sont vérité et justice et que l'on retrouve dans le socle de chacune de nos traditions, de s'en approprier. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut construire ce pays. Après une première journée de notre séjour en Ngaoundéré, ponctuée par la visite aux autorités locales, celle du bois de Mardor, qui est une sorte d'équivalent du bois Sainte-Anastasie de Yaoundé. On n'oublie pas naturellement la visite liée au palais, j'ai envie de dire, à la résidence Abo, la résidence d'Aladji Abo, opérateur économique émérite local. Nous en sommes à la deuxième journée de notre séjour en Ngaoundéré. Une deuxième journée qui nous permettra de découvrir le lamida local, comme nous l'indique ce reportage. L'ambiance est bon enfant dans la cour de l'hôtel. Le lamida de Ngaoundéré est l'unique point de chute du jour. Nous sommes un vendredi après-midi en Ngaoundéré. Et l'heure à notre arrivée au lamida local est à la prière. La prière achevée. C'est en papotant que nous attendons le retour du lamido à sa résidence où nous avons rendez-vous. Le chef de protocole, dès notre arrivée, nous servira de guide. Délectons-nous ensemble de toutes les édifications qui nous donneront à voir et en savoir davantage sur le lamida, son histoire et ses us et coutumes. Ici, nous sommes au lamida de Ngaoundéré. Le lamida de Ngaoundéré qui a été créé en 1800 par Abdoun Diop Di.
le premier Lamido d'ici. Alors, lui, il est venu de Bundang, c'est dans la région du Nord Cameroun. Mais il était venu à la recherche du pâturage. Voilà, c'est après qu'il a fondé le Lamida. Le Lamida, c'est là où réside le Lamido. Voilà. Et là où nous sommes, c'est le vestibule qu'on appelle Ndjak Mokan. Ndjak Mokan, c'est en langue Mboum. Pourquoi? Parce que la terre de Ngaoundéré ici, les premiers occupants sont les Mboum. Ce sont des métis de père Peul et de mère Mboum. D'accord. C'est comme ça. Alors c'est la confusion qu'il y a eu entre eux, entre les deux tribus. Mais sinon, les Mboum sont les premiers occupants d'ici. Mais toujours est-il qu'on conserve tous les noms des structures, des vestibules ici en langue Mboum. Ici, on dit Ndjak Mokan, c'est comme ça qu'on a baptisé. Alors, c'est la première, la deuxième et la troisième. Celle-ci, c'est celle, la porte qui sert de l'entrée principale. Et celle-ci, c'est la porte qui mène au Lamida, à l'intérieur. Et celle-ci, c'est la porte qui mène à la prison du Lamida. C'est en 1800, à partir de 1960, c'est-à-dire lors de l'indépendance. Ils ont dit que tous les Lamidas, toutes les prisons qui se trouvent dans les Lamidas, qu'on doit détruire et les prisons reviennent seulement à l'État. Mais sinon, nous, on conserve sur l'endroit et on conserve l'intendant de prison, il est là jusqu'à présent. Il s'appelle Mala. Et il faut être d'origine de la race Kaka. Les Kaka qui viennent de l'Est, Cameroun. Il faut être d'origine de la race Kaka pour être intendant de la prison de, la prison de Ngaoundéré. Donc ici, rien n'est au hasard. Voilà. Et ici, le vestibule, vous voyez, c'est en étage. Vous allez constater, c'est en étage. L'entrée est là-bas, au coin, là, vous allez voir, il y a l'entrée là-bas. Mais quand ils avaient construit ça, c'était, ils ont fait cet étage-là. C'est, vous savez, auparavant, il y avait des conquêtes avec d'autres. Lors des conquêtes, il fallait se cacher, n'est-ce pas, quand les ennemis venaient. Et ils tombaient sur les ennemis. L'entrée ici, mais jusqu'à présent, et la maison est là, c'est en étage. Cette dimension, la dimension que vous voyez, ça prend la dimension de ce poteau que vous voyez là. Et il y a une autre chose qui est très, très, très importante ici au Lamida de Ngaoundéré. Vers les années 1800, quand on construisait ce Lamida, les années 1800, dans tous les quatre coins, il fallait qu'on mette une personne vivante et qui servait de poteau. Alors que c'est comme ça que vous allez constater, même sur ces six poteaux que vous voyez là, à l'intérieur. Ah. Donc c'est comme ça, et ce n'était que des femmes. C'est comme ça que la tradition l'avait prévu. Mais dans les années 1800, c'est comme ça qu'on a fait, parce qu'on ne fait pas au hasard. Parce que tout ce monde que vous voyez au Lamida, personne ne travaille, c'est-à-dire ce ne sont pas des salariés. Tout le monde, ça va de père en fils. Et les gens se battaient même pour les discuter de place. Et ça continue jusqu'à présent. Ce sont ceux qui travaillent. Il y a trois sortes de catégories dans le tableau. Vous allez voir les tableaux qui sont des serviteurs. Parce que vous allez constater à côté du Lamido, il y a d'autres qui ont des turbans. D'autres qui n'ont pas de turbans. D'autres qui sont la tête nue seulement. C'est trois catégories. Il y a les notables Peul, il y a les notables serviteurs, il y a les notables d'origine Kanoui. Nous suivrons ensuite toutes les consignes à nous indiquer. L'ambition étant la participation à la FADA du jour. C'est vous qui connaissez l'ordre, celui qui est le président de cette association. Bruce, vous oui, connaissez derrière. Ah!
Et ici, la fade que nous venons de voir maintenant, nous avons l'habitude de faire la fade ici aussi, et là où vous l'avez trouvé actuellement. La fade, c'est le rassemblement de tous les notables, de tous les chefs de quartier. Bon, il y a d'autres qui sont absents, évidemment, ça ne peut pas manquer, mais sinon, le vendredi et le dimanche, c'est réservé pour le notable, les chefs de quartier et les chefs de village qui ne sont pas loin. Alors, le lamentable, si tu veux prendre une grande décision, c'est lors de la fin. Je vais prendre. Comme aujourd'hui, là, il y a un message qu'il m'a donné pour venir véhiculer parce qu'il y a le directeur général de l'Élecam qui, aujourd'hui, en Gaoundé, a installé le délégué régional. Donc, les grandes décisions, même s'il y a à destituer les notables, ou bien à destituer les chefs de quartier, ou bien des informations qui sont importantes, c'est lors de la fade du dimanche et de vendredi. Comme vous avez, mais la grande fade, la plus grande, grande fade, c'est la fade de vendredi. Parce que la fade de vendredi, il y a la prière. Il y a la grande prière de vendredi. Après la grande prière, le lendemain s'assoit, il fait la fade, il reçoit tout ce qu'il veut venir saluer, tout le monde, la porte ouverte. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que pour venir saluer le lamido à la fada, ce n'est que seulement. Non, si le lamido est assis comme ça, tout le monde peut venir. Mais la seule différence est que pour s'asseoir, il faut avoir un titre. Mais le salut est parti n'importe qui, même un fou. Oui, oui. Vous pouvez attendre jusqu'à 16h. On va alors. Ainsi s'achève notre fada. Rendez-vous à 16h, pile poil et pétante, pour une fantasia à nous offerte. Tu peux m'aider avec ça? La fantasia est une représentation qui, avec des chevaux, rend hommage au lamido. Une sorte d'exhibition de son armée. Elle ne s'exécute que sur ordre du lamido. Nous, ses hôtes du jour l'avons et les cavaliers sont prêts pour le spectacle.
Fantasia est parmi tous les produits touristiques du Lamida de loin le plus couru. Un Lamida qui malheureusement n'échappe pas au contexte social local. Avant le Boko Haram, deux fois par jour, on reçoit ici 80 jusqu'à 100 aussi, surtout les blancs, les touristes. Avant l'événement de Boko Haram. Et ici, la grande particularité, ce qui les intéresse ici, il y a trois choses, ou bien quatre. La plus importante, c'est la fantasia. Si au Lamida de Ngaoundéré, en ce qui concerne la tradition, si tu viens, quand on t'offre, si tu as dit sur le plan traditionnel, quand on t'offre une fantasia, on t'a tout fait, on t'a tout donné. Ils sont très intéressés par la fantasia de Lamida de Ngaoundéré. La deuxième chose, la fada que nous venons de l'assemblée. Voilà, tout de suite. La troisième, le Lamida, la structure, le fonctionnement, c'est-à-dire c'est une maison en paille que vous voyez là, c'est très intéressant. C'est ça que nous les offrons. Et ils posent des questions, nous les répondons. Ils sont aussi très, ils sont très fiers. Et nous aussi. Parce que si le Lamida est là, c'est là que nous seulement, on n'a pas de visiteurs. Ça sera bien. Donc c'est ça, on se change. C'est donc à travers cette magnifique fantasia à nous offerte par le Lamida de Ngaoundéré que nous allons tirer le rideau sur cette deuxième journée de notre séjour du côté de la Damawa et précisément dans la ville de Ngaoundéré. Une journée qui nous aura donc permis d'en savoir suffisamment sur le Lamida local, à savoir celui de Ngaoundéré, né en 1820, faut-il le préciser. Et cette magnifique fantasia nous a été offerte par le Lamida local, une façon pour lui de marquer l'affection qu'il a pour notre présence ici à Ngaoundéré. Retrouvons-nous demain pour d'autres découvertes, toujours dans la périphérie de Ngaoundéré et dans la région de la Damawa tout court. Pour moi, c'est la première fois que j'arrive dans la région de Ngaoundéré ici et franchement, le paysage, il est très beau. La culture est magnifique parce qu'on a été entretenu par un monsieur qui nous a raconté un peu l'historicité de Ngaoundéré. Donc, on a pu apprendre, par exemple, le Lamida de Ngaoundéré existe depuis 1830. Là, c'est le 18e Lamido qui est là. Et vous voyez, c'était déjà tellement organisé et toute fonction était occupée par une personne. Et ça fonctionne super bien jusqu'à présent. Donc la fantasia, c'est une sorte de course de chevaux, vraiment très jolie. On a pris des photos et tout. Franchement, il n'y a même pas de mots pour décrire ce genre de sensation. C'était tout simplement magnifique. Si vous arrivez seulement maintenant, volontairement ou par hasard, ne touchez surtout plus à rien. Vous êtes connecté Cameroun Vision, le Cameroun à domicile, comme on a l'habitude de l'appeler. La seule émission qui, depuis 5 années déjà, télévisuellement au Cameroun, vous donne l'opportunité de découvrir pourquoi le Cameroun s'appelle Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain, le potentiel touristique du Cameroun servi à domicile. Pour aujourd'hui, vous le savez très bien, nous sommes dans la région de la Damawa, et précisément dans la ville de Ngaoundéré, au motif d'une excursion qui nous permettra de découvrir un certain nombre de sites touristiquement prescriptibles. Nous en sommes donc au troisième jour de notre séjour à Ngaoundéré, une troisième journée qui sera marquée par la visite de quelques sites touristiques naturels. On va commencer par celui-là même qui donne son nom à la ville, il s'agit du mont Ndéré, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Ngaoundal ici signifie montagne, et Ndéré c'est le nombril. Dans le nombril de la montagne, c'est la définition littérale du terme Ngaoundéré. Allons justement faire un petit trekking sur les versants du mont Ndéré. Suivez-moi. Ce samedi matin sera le plus sportif de notre séjour.
Nous sommes en route pour le Mont Déré, avec pour ambition ferme de l'arpenter jusqu'à son sommet. On est devenus des alpinistes. Le but du jeu est la découverte de cette montagne rocheuse qui donne son nom à la ville, mais aussi de faire un peu d'exercice, une sorte de remise en forme. On est devenus des alpinistes. Des randonneurs. Alors. Si, ça va la femme. Tu sais pas la poêle. Tiens, tu fais toute la file. Le parcours nous offrira plusieurs tableaux, les uns aussi reluisants que les autres. L'accès au sommet n'est pas gagné d'avance du fait des caillasses qui jonchent les pistes. Ça blague de temps à autre sur le parcours. Tous les moyens sont bons pour se redonner du courage. Mais Constantin, je dis, hein, on t'invite au trekking et toi, tu viens taper les styles. Grimpe les bêtises. Monte les bêtises. Attention. Jamais. C'est quoi la maman? C'est bien. Avant de manger la gare, ouais, c'est le bouillard. Je sortirai d'un moto. Une gorgée d'eau de temps en temps. Et la corvée se poursuit. Il y a le réseau ici. Hein. Tu pèques, tu corps. Comme ça. Passez. Bon, pas devant, c'est bien. Je me stationne ici. Ngaoundéré, la capitale de la région de la Damawa, est à une altitude, j'ai envie de dire, de 1100 mètres. Et là, nous sommes au sommet du mont Ngaoundéré qui, lui, fait 700 mètres. Autrement dit, nous sommes à 1800 mètres environ de la terre, ou alors d'altitude tout simplement. Et on peut se délecter mieux que de la ville de Ngaoundéré, mais du département de la ville à tout court. C'est visible d'ailleurs dans mon dos, hein, avec ce paysage qui va à perte de vue. C'est tout le département de la Vina qui est sous nos pieds. Lorsque nous sommes au sommet du mont Ngaoundéré, je vous le rappelle, ce mont donne carrément son nom à la ville, du moment où Ndéré signifie nombril et que Ngaoun, c'est montagne. On peut donc en déduire que Ngaoundéré signifie tout simplement le nombril de la montagne. Et parlant de nombril, nous sommes justement au sommet du dit nombril. Le nombril, certes, est logé à ce refuge. Mais un dernier effort est nécessaire pour accéder au vrai sommet qui nous offre la plénitude des vues de la montagne. Nous y voilà. Après près d'une heure de trekking, nous voici donc au sommet du mont Ngaoundéré. Allons ensemble découvrir ce qu'on peut voir exactement à son sommet.
la vue de la ville et bien d'autres choses, et prenons par la même occasion les impressions de nos randonneurs. Toujours au sommet du mont Gaoundéré, en pleine délectation de cette superbe vue que ce mont nous offre, la vue sur la ville de Gaoundéré, capitale régionale de la Damawa. Alors je ne suis pas seul sur le coup, ça vous le savez très bien et vous avez pu le constater. On va se retourner à l'instant vers le président de l'association grâce à laquelle nous sommes ici. Hein. Alors Hiram, depuis le temps que nous sommes au sommet de ce mont Gaoundéré, est-ce que le paysage est celui auquel tu t'attendais juste avant? Oui, je savais déjà qu'à partir du mont Gaoundéré, on pouvait avoir une vue sur l'ensemble de la ville. Mais j'avoue que c'est encore mieux d'y être. On a la verdure, j'aperçois l'université, la grande mosquée. Et une petite steppe de l'autre côté de la montagne, l'air est frais, l'air est vert. Et le parcours en lui-même, comment tu l'as trouvé? Fastidieux, moi on y est arrivé. Alors, il s'appelle Mars Bakop, il nous arrive de Douala. Un reporter photo émérite et propriétaire d'un blog qui voilà, séduit pas mal de Camerounais et qui donne satisfaction à la diaspora, j'ai envie de dire. La diaspora qui redécouvre le Cameroun au travers de ce blog-là. Alors Mars, ça fait quoi, 3 jours que nous sommes en Gaoundéré. Et là, c'est une expérience unique avec le premier site naturel que nous visitons. Le sommet du mont Déré, quelle sensation, quel sentiment? Bah, tout à l'heure, là, vous... peut-être que vous n'avez pas prêté attention, mais j'ai poussé un cri. J'ai poussé à la rampe. Ouais, ouais. Ça, je l'ai entendu. C'était pas prémédité, dans tous les cas, c'est... je ressentais le besoin de le faire. Mmh. Voilà, donc... Et je regarde encore ce moment, je me dis, il est majestueux. Et quand tu prêtes, il y a nos papas qui nous demandent tout le temps. Faites attention aux détails, et ça c'est pas faux. Ouais. Et ça c'est quelque chose de vraiment primordial là. Et c'est vraiment... C'est le pied, si je peux dire ça. Ouais. Ça. C'est la totale. J'ai jamais vécu ça. Déjà pour quelqu'un comme moi, en fait je m'attache. C'est vrai, la base de mon éducation n'a jamais été celle-là traditionnelle. Mais... au fur et à mesure que j'ai grandi, je me rends compte que j'en ai besoin et c'est la raison pour laquelle je me suis mis, n'est-ce pas, sur ce chemin-là, ouais. À la découverte de moi-même, ouais. Et de ce que je suis, de mon environnement, d'où je suis, d'où je viens et tout ça. Ouais. Et je me suis lancé dans une quête, quoi. Pour moi, c'est une aventure, c'est une conquête. Ben, personnellement, je suis très fier d'avoir pu monter le mont. C'est la première fois que je faisais l'escalade. La petite nuit de prière là-bas était très enrichissante et c'était une bonne expérience en groupe, très enrichissante. La vue sur la ville et la disposition des pierres, je trouve ça très, très impressionnant, le fait que ce soit un assemblage de pierres et de rochers. Ça pose vraiment la question de se demander comment est-ce que tout ça a pu se mettre ensemble. Quoi. Sensation, sentiment, j'aimerais avoir les mots justes. Hein, mais... C'est une expérience qui se vit, qui ne se raconte pas. Une profonde gratitude quand même. Nous sommes arrivés en étranger. On nous a reçus comme les enfants du terroir. Nous étions perdus. Nous sommes retrouvés. Alors, cette randonnée est loin d'être misogyne. Nous avons parmi nous, naturellement, une gente féminine très très bien représentée. Hein. Alors, Latifa, dis-moi personnellement, qu'est-ce que tu penses de cette remontée? On va commencer par là. Du pied de cette montagne jusqu'à son sommet, comment tu as senti et ressenti, on va dire quoi, la montée de ce flanc? C'est vraiment un superbe voyage, une superbe expérience. Bon, la montée, elle était difficile, il faut l'avouer. C'est une montée. Je ne suis pas très sportive, mais je suis contente de l'avoir fait. Bon, en fait, je vais même dire carrément que les mots me manquent. Je ne sais pas trop comment je peux le décrire. C'est un truc à vivre.
Après Latifa, nous sommes à présent avec Ruby. Joyeux anniversaire déjà, Ruby. Merci. Voilà, il faut dire que c'est un double événement pour toi. Tu m'as laissé entendre sur le flanc, lorsque nous étions en train d'arpenter, que c'est la première fois que tu faisais ce type d'exercice. Oui, c'est la première fois. Je ne l'ai jamais fait toute ma vie. Drôle de cadeau d'anniversaire, on va dire. Et le meilleur, pour l'instant, c'est le meilleur cadeau. Ben voilà, depuis que tu es au sommet du Mont Déré, quelle sensation? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu es en train de voir? Je dirais que c'est fabuleux. Les mots me manquent en fait, parce que c'est tellement beau qu'on ne saurait même employer le mot juste et le meilleur mot, quoi. Parce que c'est vraiment beau en fait. C'est splendide. Pour moi, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je pourrais avoir en cette année 2015. C'est le meilleur. Et surtout, arrêtez de cogiter. La vie est tellement belle. Et si tu as l'occasion de fêter, il faut en profiter. Il y a les meilleurs idées. Il y a les futurs encore. Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Les babouches et les pointues. Et même si tu choisis ta preuve, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta peinture. Choisis ton couloir. Tous les frères, choisis ta tête. Nous sommes rendus aux quatrième et dernière journée de notre séjour dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, et précisément la ville s'appelle Ngaoundéré. Après une troisième journée, celle d'hier, ponctuée par, on va dire, le trekking sur le mont Ndéré. Et c'est le moment pour nous de prendre les impressions des uns et des autres, parlant des excursionnistes. On va les écouter, raconter un petit peu leur voyage et dire un petit peu aussi ce qu'ils ont ressenti pendant ces quatre fantastiques journées dans le septentrion du Cameroun. Globalement, les excursions éducatives de la synergie de la jeunesse camerounaise ont pour principal objectif de permettre aux 15-35 ans, même si elles sont ouvertes à des aînés, de découvrir les réalités culturelles, le patrimoine initiatique des peuples du Cameroun. Pour le cas de l'Adamawa, il faut rappeler que Ngaoundéré, ou bien l'Adamawa de manière générale, c'est le château du Cameroun. C'est un point qui a été important pour les migrations de la plupart des peuples du Grand Sud et des peuples de l'Adamawa. Donc beaucoup de peuples citent le plateau de l'Adamawa comme une partie de leur origine. Donc il nous semble être important, après l'Ouest l'année dernière, de venir à la rencontre d'une autre ère culturelle camerounaise. Alors les objectifs, je ne sais pas s'ils sont vraiment atteints, il faudrait peut-être donner la parole à d'autres participants. Mais personnellement, nous sommes satisfaits. Nous attendions une cinquantaine de participants. Malheureusement, la psychose due à la situation sécuritaire actuelle a découragé un certain nombre. Nous étions la moitié, donc environ 25. Je crois qu'il y a un certain climat de convivialité qui s'est créé. Je pense qu'il y a des liens qui se sont créés par affinité sur le plan professionnel, sur le plan académique. Et je crois que ceux qui ont participé à cette excursion en ressentiront beaucoup plus enrichis. Bon, malheureusement, moi je suis venu un jour en retard pour des raisons personnelles, mais j'ai pu directement trouver le groupe de l'excursion dans une ambiance très joviale, dans des camaraderies, dans de la fraternité. Et cet état d'esprit permet de beaucoup mieux apprécier l'excursion quand il y a une bonne ambiance entre les différents participants. Je retiens beaucoup de bonheur, beaucoup de choses bien, et ça m'a permis de me relaxer. Et aussi les objectifs qui étaient aussi d'ordre personnel ont été, je dirais, accomplis à 99%, ne pas 100%. L'Adamawa est une aubaine du monde. Et c'est d'ici que tous les peuples africains y ont pris source et sont quittés pour aller peupler d'autres zones, dans notre pays et aussi d'Afrique. Donc, je dirais aux Camerounais de venir à l'Adamawa. Du coup, il est important de connaître son pays. Connaissons le Cameroun.